Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Cross Out, chers amis. Une nouvelle session que je vais essayer de faire assez le plus longue possible, en tout cas assez longue ou en tout cas le plus long possible. Donc nous revoilà en PVP. J'ai des points à faire pour tout simplement les dégâts réalisés en PVP pour gagner une mission, les fameuses missions, vous savez, journalières. Hop. Hop. Crac. Mange dans tes dents. C'est marrant. J'avais bien mis une tourelle devant, on est d'accord. Vas-y, passe. Passe. Ok, on touche. J'ai envie d'essayer quelque chose, chers amis. Oui, ça passe. On évite donc complètement l'eau. On va aller défendre notre point. Notre base. Hop, et la roue. Tac. Hop. Comme ça c'est fait. Mince. Hop. Hop. Essayons de défoncer son armement avant qu'il ne défonce le nôtre. Dommage. On n'a plus qu'à essayer de lui rentrer dedans maintenant. Voilà, ça c'est fait. Bon, on a couvert notre base, ça c'est cool. C'est le bon point. Ah, il y en a qui disent qu'il faut récupérer des tonneaux. Oh merde. Ok, il tourne mal. Hop les. Ça fait mal. Hop les. Bouf. Allez, tourne. Boum. Tu passes sur YouTube, laisse-toi faire. Tu passes sur YouTube, laisse-toi faire. L'excuse bidon. Non, tu ne m'auras pas. Raté. Raté. Hop les. T'as pas de pare-buff, tu ne me fais pas de dégâts. T'es sérieux par contre là tu... Victoire. Bon. Bah ça c'est cool, chers amis. Ça c'est cool. On a donc chopé le canon 76 mm, un avia booster, 8 scrap metal et 2 wires. D'accord. On continue. On continue. On ne s'arrête plus, chers amis. On ne s'arrêtera plus. Nous avons donc un véhicule, mais c'est bizarre que j'avais bien rajouté, on est d'accord, j'avais bien rajouté une mitrailleuse au début. J'étais persuadé d'en avoir rajouté une dans le précédent épisode. Je l'ai rêvé. Je rêve de Cross Out, voilà autre chose. Alors, c'est parti. Bam. Bam. Si je prends large, je peux peut-être en surprendre plus d'un. Ils sont là-bas. Merde, je suis un peu limite en fait. Une position. Hop. Je recherche mon ennemi de visuel, mais j'ai du mal. Non, te plante pas, Marcus.
Ce serait dommage, parfait. On va essayer de passer en douceur. Hop les. Ah, il y a encore Elite Trigger là qui vient se venger. Oh, je suis dedans là. Dommage, je peux pas être dedans et m'occuper d'Elite Trigger en même temps. Peut-être que si, attendez, peut-être que je peux tirer de là. Hop. Boum. Fuis. 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 Oh. Non. Hop. Feu. Voilà. Et Elite Trigger qui a 0 kill et qui vient pas. C'est une victoire. Putain, je crois que c'était lui. Oh, le stress. Oh, le stress. Non, c'est Street View. Ok. Oui, nous sommes les conquistadors, Maquet. Je sais, je me suis jamais toujours trompé entre italien et... entre italien et... mince. Et espagnol, bizarrement, au niveau des accents. J'aimerais juste, si possible, vérifier quelque chose. Ça prend combien de trucs? 2 points d'énergie, ça prend combien? 5 points, dommage. Ça prend combien? 5 points. Bon. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Nous n'avons que 2 d'énergie disponibles, malheureusement. Hop, ça me semble parfait comme ça. Comme ça, on va pouvoir maximiser nos dégâts, parce que là, franchement, c'était pas top. Au niveau de l'info... J'ai encore un doute, chers amis, vis-à-vis de ce que vous me dites quant au niveau de ces trucs-là. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Get the cannon, on y retourne. Ou alors, attendez. Attendez, on regarde les trucs là. Celui-là, il est fait. With bullets in PVP. Mais c'est pas des bullets que j'utilise avec ça. Ok, on va pouvoir tous les avoir, chers amis. Hop, on en refait une petite PVP. Crac. Alors. Oh, ça va être long cette histoire encore. Butez-les tous! Butez-les tous! Butez-les tous! Moi je fais un trait sur Crossout, comme ça le premier épisode il est tourné pour la session. Hop! J'en avais marqué 8 au total, mais je vais pas pouvoir en faire 8 aujourd'hui. Je suis en train de commencer à travailler encore plus sérieusement sur la prise d'avance pour les 15 jours où je serai absent, malheureusement. Mais bon, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. De toute façon, ça va être une défaite là pour les bleus. Hein. Ça va être une grosse, grosse, grosse défaite bien violente. Our base is being captured. Oh non. Bon, on va regarder un peu ce qui se passe quand même. Pourquoi tu es immobile? Ah oui, c'est con, il te manque des roues, effectivement. Oh, le pauvre mec qui est passé. Bah alors il va se faire un double là. Allez. Allez. Allez, vas-y, recharge. Et... Oh la vache. Et toi plaise. Boum. Voilà, ça c'est fait. Voilà le troisième qui arrive. C'est la fête. Ah ça y est, il bouge enfin. Oh, il tape dans sa manta tellement fort. Ils viennent d'avoir du sexe. Par contre, faut pas se voiler la face, les mecs, hein. C'est une défaite. Hein. Vous allez pas avoir le temps d'aller choper la tour. Hein. Enfin, pas la tour, mais justement, enfin, vous me comprenez quoi. Rechoper votre base. C'est genre une véritable catastrophe, votre base là en fait. Défaite! C'est con, vous êtes bien défendu. C'est vraiment très très con. Mais j'ai hâte d'avoir plus de pièces pour pouvoir en faire plus. Faire plus de véhicules différents, tout ça, tout ça, tout ça.
Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Hein. Là déjà, si je fais une grosse session, ça peut être sympa. Alors, base ennemie. Notre base. Nous sommes avec le fameux Méthyl 360. Et on peut voir déjà que de l'autre côté, ils sont mieux équipés que nous. Leur plus bas est à 1360 déjà, nous le nôtre est à 900. Ok, c'est parti. Je me laisserai pas avoir. Remarque, s'il y a personne qui passe par là, moi je suis preneur. Hein. Hop, on fait le tour. Ça me dérange pas. Ok, broum broum broum. Tant bien, j'ai des dégâts à faire en tapant dedans. J'en fous l'accélération. Boum! Boum! Ah, tu sais quoi? Je vais le péter ton canon. Oh la gueule! Hé! Hey! Oh non, t'es pas sérieux là! Non, pas dans la flotte, Marcus! Aïe! T'es pas sérieux, vu le nombre de dégâts que je t'ai fait, t'arrives même pas! Oh la gueule. Fuite. Aïe. Alors là je suis pas tout à fait d'accord chers amis. Honnêtement celui-là là, je sais pas ce que c'est, je sais pas qui c'est. Darkest Snake, eh bah putain. Hop. Et honnêtement, je pense avoir suffisamment tapé. Je pense véritablement avoir suffisamment tapé pour pas me bouffer ce genre de choses. Oh là là, puis ça repart pas dans l'autre sens. Dommage. Dommage, dommage. Honnêtement, ouais, honnêtement, je le sens, je suis déçu. On était à deux dessus, on n'a pas réussi à le buter alors qu'on a bourré son armement. Moi j'ai bourré son armement et là franchement je suis déçu. Mais bon, c'est comme ça je présume. Ok, next. On verra bien, ça se trouve la prochaine sera mieux. Et ce sera la dernière pour cet épisode je pense. Bon bon bon. Là je suis vraiment déçu sur cette attaque hein. Véritablement déçu. Alors, Speckled Jet à 3400, faudrait encore se faire défoncer plein pot. Ah, on a un 2000 en plus peut-être. Sarah. On verra bien. Et on est encore face à l'autre, l'autre tintouin là. Vas-y, on passe là par là. Pas de tente. J'attends hein. Allez, on y va. Et il est sur des chenilles. C'est mignon. Boum. Oh, j'ai rien fait niveau dégâts. Ok. Hop, kill assist, et de 1. Y'a Jamie là-bas, il n'est pas là sans raison. Jamie Lannister. Dommage. Je suis en train de venir pour le foncer, pour lui foncer dedans, mais je crois que ça va être compliqué maintenant. Ok, ils sont là-bas.
Il y en a un de moins, déjà. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choper leur base. On va aller choper leur base. De toute façon, il y en a un qui est resté en plus pour défendre. On va pouvoir lui foncer dedans. Oh la gueule, il va recommencer. Allez. Voilà. Hop. Vengeance. Voilà. Grosse vengeance, chers amis, je l'avoue là. C'est une grosse vengeance. Ok, ça c'est fait. Bon, on va aller voir vite fait ce qu'on a gagné, si on a fait les missions comme il faut ou pas. Voilà, normalement on a complété une mission, il n'en reste plus qu'une. Faire encore 1000 de dégâts avec du PVP. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. N'a pas trouvé le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Menus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens, et je crois que je dois me barrer très très vite. Ça parle de viol dans le chat, c'est d'une violence. D'accord, ça parle de viol dans le chat. Ils sont totalement débiles.